I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous portez bien à la maison. Mon nom est Jonathan Drapeau. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale. Nous avons l'honneur de recevoir une grande légende de la lutte québécoise. Il s'agit du fermier Louis Laurence, et surtout connu sous le nom de Eddie Carson à l'international. Monsieur Laurence, comment allez-vous? Ben, c'est bien là, pour un petit vieux. Là. Je vais avoir 60. 70 ans cette année, là. Ah, félicitations. Ben oui, hey, ah. Ben vous me paraissez quand même en bonne santé. C'est le fun de vous voir puis de savoir que vous êtes encore actif. Là. Vous nous parliez que vous travailliez dehors encore puis tout ça. Puis, ben tu sais, j'imagine là, que les coups doivent se faire ressentir. Puis on est content de savoir que vous êtes quand même en bonne forme. Donc, c'est vraiment le fun qu'on puisse avoir quelques minutes avec vous. On sait, en fait, que vous avez commencé votre carrière de lutteur dans les années 75 environ. Pourriez-vous nous partager vos premières expériences dans ce domaine et nous expliquer comment vous êtes entré dans ce monde, dans ce fabuleux monde qui est la lutte professionnelle? Mais vous expliquer comment j'ai commencé... J'étais à ce qu'on appelle les loisirs Saint-Jean-Baptiste. Oui, oui, oui. Puis il y avait beaucoup de gars qui étaient demandés. Donc, Pat Patterson venait, plusieurs autres. On m'avait demandé, mais ça ne m'intéressait pas d'aller voir Pat Patterson. Lui, il était surtout à San Francisco comme promoteur à cette époque-là. OK, OK. Il était grande vedette là-bas. Mm-hmm. Il me dit, hey, viens chez nous. Puis Pat Gérard, qui était l'instructeur, oui. Me dit, je ne veux pas voler la chose, là, mais il me dit, demande à Pat s'il veut t'avoir comme lutteur ou autre chose. OK. Puis je m'en demandé, puis à quelque part, j'ai compris le message, je suis resté chez nous. Puis, je ne l'ai pas regretté, malgré que j'aurais pu avoir le plus de succès. OK. Mais, tu vois, j'ai une belle vie aujourd'hui, là, j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai une ferme, là. Ouais, ouais. J'étais après vous oublier, j'étais après faire des travaux à l'extérieur. Oui, oui, oui. Le petit vieux, il a eu un clic. Hey, j'ai un rendez-vous. Puis, puis là, je vais prendre une chance. Puis là, ben pas oui. Mais pour en revenir à mes débuts, moi, là, j'étais au loisir Saint-Jean-Baptiste. Puis un de mes amis me vient me voir là, au loisir. Puis il me dit hey, au Boucan, c'est un club qui était sur Saint-Denis et Crémazie à l'époque à Montréal. OK, OK. Et il me dit, hey, Johnny Wargle et Bob de la Serra vont souvent là. OK. Ben, j'ai dit, Big D. Fais-tu comme pour faire plaisir à mon chum? J'ai dit, ouais, je vais y aller. OK. Puis, ce soir-là, c'est là qu'a débuté ma carrière officiellement comme lutteur professionnel. Parce qu'il y a une différence entre lutteur. Ouais. Que tu payes pour lutter. Puis, oui. Paye pour travailler ou ouais, tu reçois de l'argent. Ça. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les gars disent ah, je suis lutteur professionnel. Ils disent ah oui, tu vis de ça. Ils disent non, ben, c'était pas professionnel, mon boy. Ouais, c'est j'ai ça. J'ai dit ça a deux volets là-dessus. Je dis moi, j'ai vécu. En tout cas, ouais, ouais. J'étais un petit vieux. Quand je parle de ça, ils nous prennent pour des. ben, c'est sûr. Des noms de part. Mais j'ai connu ce qui était le best. Ben, le best. Il y en a eu sûrement avant moi, là, mais. Moi, puis mon père n'était pas promoteur. D'une façon ou d'une autre, Johnny Wargle m'a dit, veux-tu venir lutter, on a besoin de gars au Vermont. Parce que lui, à cette époque-là, au Québec, c'était moyen. Parce que la lutte, depuis des années, ça a des hauts, des bas, des ouais. hauts, des bas. On dirait que certaines générations se délaissent ou d'autres, ou il n'y a pas assez de talent. Comme là, moi, ce que je vois...
World Wrestling ou n'importe quoi. Ils ont beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de... Il y a du talent, mais ce que moi j'appelle à mon époque un talent, c'est que un main event, là, tu sais, deux, trois gros géants, des moyens, puis des gars comme moi là, qui sont là pour... on appelle ça des time killers, là, des gars pour tuer du temps. Ils font de l'action, puis ils font tout. Fait que les grosses vedettes, ben, ils n'ont pas besoin de faire 50 Somerset. Eux autres, ils sont là pour la confrontation, proprement dit. D'une façon ou d'une autre, au Vermont, je suis descendu là-bas. Puis on m'a dit, tu vas être le protégé de Johnny Warrigal, J'arrive là, puis le premier match, je pense, c'est contre Dale Skinner, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un homme noir, mais bâti, un cheval, tu sais, un monstre. OK. Puis là, quand ils m'ont dit qu'il luttait contre lui, c'était la banoche. Mais j'étais le projet de Johnny Warrigal. Je réussissais toujours à m'en sortir. Fait que, puis quand je suis arrivé à Burlington pour mon premier match, je pense que j'ai fait le deuxième match contre lui. OK. Sur le premier ringside, il y avait des enfants qui avaient les cheveux coupés comme Johnny Warrigal, tu sais. Là, c'était que c'est ça. Puis, en tout cas, je ne veux pas faire de joke parce que je ne sais pas qui écoute ça, là, mais... Yes. On m'avait dit, ah, ben, Johnny Warrigal a semé un peu partout. Mais c'était pas ça. C'était des fans qui capotaient sur lui. Puis j'ai lutté, puis j'ai rencontré les plus grosses vedettes de l'époque, Edouard Carpentier, les frères Toulot, en tout cas. Puis de là, Josh Cannon a communiqué avec Johnny Warrigal, puis il dit, hey, moi je fais CFCF, dans ce temps-là, c'était Superstar of Wrestling, mais c'était George Cannon qui faisait ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça me dit quelque chose vaguement. C'est un promoteur, me semble. Oui, c'est un promoteur. Ouais, George Cannon, il a déjà été lutteur, gérant, mais c'est un gros monsieur. Là, tu sais, il avait son phénomène. Puis lui, il m'a adopté. Dans le sens que moi, j'étais son l'équivalent de French Canadian, parce que lui, il avait la télévision CFCF au Canal 12. OK. Puis là, j'ai commencé avec lui. OK. Puis il m'a emmené à Terre-Neuve, il m'a emmené un peu partout. Puis de là, ben, je t'ai connu coast to coast avec George Cannon. T'sais, à mon époque, tu n'avais pas besoin d'être champion pour être connu. Non, mais ben, c'est ça. On luttait, nous autres, là, puis on luttait pour le comment je pourrais dire ça? Les territoires. Le public. Puis moi, je luttais, là, puis je pouvais perdre puis paraître aussi bon que le gagnant parce que tu faisais une erreur dans le dernier. Puis nous autres, tu n'as pas, hey, moi, j'ai une ceinture. Des fois, quand je vois le gars, il dit, ben, moi, je suis champion du monde ou champion. Hey, m'en calisse-tu, c'est. Non, mais la ceinture, pour si. Il continue à faire la publicité de la lutte comme c'est aujourd'hui. Mm-hmm. Les gars disent « Ah, c'est arrangé, c'est... » Ben, t'es champion, t'as gagné quoi, Chris? C'est pareil comme si moi, j'irais chez Walmart acheter une ceinture. Malgré que j'en ai une ici qui est au deuxième étage, j'ai mes anciennes bottes. Ce qui est drôle, c'est parce que sur Facebook, c'est vraiment fort la patente. Parce que une journée, je trouve des vieux slides de... Comment on appelle ça? The Pay de Calgary. Oui. OK, cool. Je cache les montants, je le mets Ben oui. Mais c'est cool, c'est beau. Il y a des collectionneurs de Calgary qui m'ont appelé, puis ils ont voulu acheter ça. Puis là, je demande à ma fille, elle dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais pas boire ça, moi, acheter ça. Fait que j'ai vendu au gars, puis le gars m'a payé. Il m'a envoyé de l'argent, puis tout. Là, j'ai quelques personnes qui veulent acheter mes anciennes bottes. Ah ouais. Parce qu'il me reste plus grand-chose. Il me reste plus une ceinture, puis des photos, puis c'est cool. Des programmes. Puis, oui. Mais ils veulent acheter ça, mais ouais. Moi, je regarde ça, puis j'ai encore du plaisir à regarder ça. Tu as bien beau me donner juste un poster. Vous connaissez Neil Gay? C'est mon oncle. Bon, ben, Neil Gay contre le géant ferré au Vermont. Oui. Ben, c'était un vieux poster de carton qui était dans un garage. OK. Il s'est vendu 900 pièces. Wow!
Le incroyable. Monde, mais American, là, ils sont... Parce que j'y vais encore aux États-Unis. Là, oui, oui, oui. Avec un ami, Gary Hathaway, qui est de Burlington. C'est un ami, ben, je l'ai connu, il avait 13 ans. OK. Ouais, ouais. Puis moi, j'avais 20 ans, puis il était un investisseur, il faisait faire toutes sortes de jokes. On va nous chercher des hot dogs, on va nous chercher de la liqueur. Puis... On ne payait jamais, Là. Il fallait qu'il payait son argent de poche. Aujourd'hui, ce gars-là pourrait m'acheter, me revendre à crédit. Mais il me demande d'aller avec lui pour le conseiller dans la lutte. Puis, okay. Récemment, on a fait un gala de lutte à Burlington. Okay. C'était sold out, c'était plein. Ah, c'est cool. Mais lui, il a suivi ce que j'y avais dit. Il y avait un gros Américain, 7 pieds, là. Il l'appelle Big... Est-ce que c'est lui que vous avez partagé récemment? C'est ça. Il est incroyable, le gars. Il fait penser un peu à... Mon Dieu, il est grand comme Adam Copeland, Edge, là. Bon. Mais il est... Ouais. Oh, c'est il est 7 pieds, ben ouais. Bâti. Puis, ce qui est le fun, c'est que je le vois occasionnellement. Cool. Quand je lui parle, il me demande toujours, puis comment tu te trouves? Il prend mes conseils. C'est pour cool, ça qu'il m'a envoyé une chose. Puis là, il essaie de percer. J'ai dit, tu vas avoir des chances, parce qu'il n'y en a pas de gros gars comme lui. Non, mais lui, on l'a emmené à Burlington. Puis là, il essayait de trouver des vedettes de la World Wrestling, des affaires-là. Là, moi, je dis au promoteur, j'ai dit, il y a un Russe à telle place. J'ai dit, pourquoi tu ne le fais pas venir? Le promoteur qui est, puis le booker, ben, j'ai dit, dans les années 80, des affaires de même. Ça marchait, là. Mais ben oui. Là, ils m'ont pris pareil comme un tweet. Ben, un extraterrestre. Puis ils ont booké ça. Puis ils ont pacté. Wow. Félicitations. Deux shows de suite. Ouais, en plus, non seulement vous avez été aux États-Unis, vous avez été aussi au Mexique pour la EMLL qui est l'ancêtre de la CMLL d'aujourd'hui. Vous avez eu l'opportunité de performer pendant plusieurs mois aux côtés de véritables légendes de la lutte, tels que El Santo, Angel Blanco et Twins Devils. Pourriez-vous nous faire part de votre expérience lors de cette période? Mais moi, j'étais... ces gars-là, c'était tous des inconnus. Hein? Ouais, c'est ça, c'est un peu... Parce que j'étais arrivé au Mexique, puis t'as bien beau parler anglais, mais eux autres, c'est des latinos. La lutte était complètement... je te dirais pas qu'elle était complètement différente, mais elle l'était. Parce que, juste nommer une anecdote, celui qui m'a fait venir, le grand boss, c'était nommé Salvatore Lutero. C'était le propriétaire, mais lui, il ne louait pas les arénas. C'était à lui les arénas. Tu sais, il veut dire, le gars, il avait du grévé. Il me fait venir dans son vestiaire, dans son bureau, puis il me dit, hey, Louis, parce que moi, je voyais les gars, j'ai dit, hey, c'est beau, on va essayer de faire ça. Il dit, je ne veux pas que tu fasses comme les gars. Je t'ai fait venir. Parce que tu luttes différent. Je ne veux pas que tu fasses la même chose que les gars. Des gars comme ça, j'en ai à douzaine. Parce que ça, là, à cette époque-là, c'était plus gros que la World Wrestling. Ça. Lui, il avait tout le Mexique. Ils ont tout le Mexique, puis il y a une partie de il y a un gars que j'ai référé là-bas, puis aujourd'hui, il est rendu grosse vedette internationale, c'est Vampiro, le Canadien. Oui, on va en parler justement C'est un gars que j'ai envoyé là, puis j'ai donné des noms de référence, puis je l'ai perdu de vue pendant un bout de temps, puis d'un coup, je regarde à cause de votre Internet. Oui. Je regarde, tabarnak, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Puis depuis ce temps-là, ben, on est chum. Il m'a fait venir deux fois faire des films avec lui. Cool. Il est à Triple H, je pense. C'est rendu une vedette internationale. Mais là, je comprends pas. Il continue encore. Il est comme PCO. Puis je lui ai déjà dit, j'ai dit, t'attends-tu de mourir sous la reine? parce qu'en vieillissant, veut pas ton physique. Moi, j'ai de l'air en forme, là, tu vas dire, vous sentez 10 ans, là, mais il y a des matins... Je me suis fait opérer deux fois dans les genoux. Il faudrait que je me fasse opérer encore une autre fois, puis ça ne me tente pas. Là. Puis j'ai toutes sortes d'affaires. Cette année, j'ai passé un hiver dur. Là. Quand je vous dis dur, là, je pensais que c'était fini. Puis en fin de compte, ils m'ont passé, je ne veux pas rentrer dans les détails, des caméras partout. Caméras où est-ce que tu veux pas qu'il y ait... Non, c'est sûr! pour me dire que mes problèmes, c'est que je suis vieux. Ben, c'est sûr que l'arthrite, avec le temps, ça rattrape. Non, mais j'avais pas de maladie de style, sais pas, moi. Moi, j'avais de maladie. Je perdais un genre d'équilibre à l'occasion. J'ai uriné des petits morceaux de sang. Puis là, j'ai eu un petit panique. Et ils m'ont dit non, c'est parce que ta vessie a grossi à cause de l'âge. Puis les vaisseaux sanguins sont petits.
s'il se force trop, des fois, ça fait... mais ça m'a rassuré, mais j'étais un bout de temps, je me disais, hein, c'est les derniers milles, là, je suis rendu au bout. Mais non. Puis là, j'étais encore dehors, ma femme a dit, bah, c'est ça, votre cas, ça... En tout cas, je ne vais pas l'entendre. Dans les années 80, M. Lawrence, oui. Vous avez lutté à quelques reprises à la WWF de l'époque, qui maintenant s'appelle la WWE. Est-ce que votre contact a été Pat Patterson ou vous avez passé par une autre personne? Excuse-moi, là, c'est... Ouais, ben, c'est pas Pat Patterson. OK. Parce que Pat Patterson, il me connaît bien, il sait que c'est ce que je fait. Mais à quelque part, Pat Patterson, en tout cas, tu sais, quand on parle de Pat Patterson, tout le monde dit « Ah, c'est un génie ». Il y a des bouts, je ne sais pas par où est-ce qu'il voit le génie, mais en tout cas, c'est... là-bas, il fallait que tu sois dans sa manche. Ouais, mais moi, j'ai été travailler pour la WWF. Oui. C'est par l'office de Montréal. OK. Parce que quand je travaillais, j'étais à Montréal, puis l'hiver, on était apporté à s'éloigner de Montréal parce que la lutte n'était pas aussi forte que l'été. Mm-hmm. Puis moi, j'ai une famille à faire vivre. Puis. Je cherchais des spots. Puis le promoteur, le Gino Brito, du groupe, m'a demandé, il dit, « Louis, serais-tu prêt à passer l'hiver au Québec? » Ben j'ai dit, « ça me prend de l'argent. » Je dis, « Moi, j'ai... » C'est sûr. Fait que lui, il m'a donné une garantie. OK. Travaille pas, j'avais un minimum de temps. OK. Mais il travaillait de temps en temps, il faisait venir des gars de la World Wrestling à Montréal pour rencontrer ses têtes d'affiche ici. Puis moi, j'étais la monnaie d'échange. Il me disait, tu vas aller pour World Wrestling. Puis on parlait pas de Pat, là, on parlait de... Mais dans ce temps-là, c'était le vieux. Là. C'était pas... OK, c'est le senior et non le junior. Ouais, Pat, okay. il était juste annonceur. Peut-être conseiller dans des réunions. Oui. Mais c'était les débuts. Il ne faisait rien de spécial pour moi. Là, je veux dire, il me disait bonjour parce qu'il m'avait vu. Oui, c'est québécois. Mais il n'était pas méchant. Là, tu sais, non. Mais je veux dire, je n'étais pas dans les coulisses, mais j'ai bien compris que dans les coulisses, il devait dire non, lui, on ne veut pas l'avoir. Tu sais. Mais j'ai fait mon chemin pareil. Mais je ne suis pas le seul qui a été barré là-bas. Là. J'imagine. Quand on en parle, ils disent non, c'est pas vrai. Mais les historiens, ils disent des choses, mais nous autres, on l'a vécu. Hein? Mm-hmm. Exact. Puis, je veux pas parler de Non, c'est correct. Là, parce que, ben non. Mais souvent, on se pogne, puis ils aiment pas ça. Ben, je dis, écoute, compte des bonnes affaires. Tout à fait. Mais le monde n'aime pas la vérité. La vérité, c'est ça. Il y a des vérités qui sont dures à avaler. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Oui, à la World Wrestling, comme vous dites de l'époque, vous avez choisi le nom d'Eddie Carson plutôt que Louis Lawrence, votre vrai nom. Est-ce que c'est à cause de la présence d'Hillbilly Jim et de Hank Elmer que vous avez dû changer votre nom? Ah, pas en tout. C'est des papiers. Ça te prend des papiers pour travailler aux États-Unis? Oui, c'est ça. Un permis de travail, ils ont fait là. Oui, puis quand la compagnie veut t'avoir, ben, elle fait ça dans une poignée de main, mais moi... Ouais. Il ne voulait pas m'avoir vraiment, mais il n'y avait pas le choix, il manquait de lutteurs. OK. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des lutteurs, il ne prenait pas n'importe quel, excusez l'expression, ticoune sur le coin de la rue, en bas sur la ring. Il faut avoir un certain physique et un certain talent. Hein? Tout à fait. Puis, c'est pour ça, des fois, je vais voir les petites compagnies. Là. S'il n'y en a moins, t'en prends deux, trois de chaque compagnie, t'en fais une. Là, t'aurais la lutte internationale à Montréal. Oui. Mais là, t'en as un ou deux qui a de l'allure, comme à Québec. Je n'ai vu un, là. Je ne me souviens plus de son nom. Là. Il est bâti. Il n'est pas grand, mais Marco il est bâti. Estrada. J'imagine c'est moi, Marco Estrada. Je l'ai vu à Montréal, puis je l'ai félicité. J'ai trouvé qu'il l'avait. Mais à mon époque, il n'aurait jamais été main event. Il aurait été premier, deuxième match. Il a beau être bâti, musclé, bien acrobate, mais il aurait fait sa job parce que
parce que ça en apprend. Il ne pouvait pas en avoir 10 de 6 pieds quelque chose. Tu sais. Non, c'est ça. Et puis, on parlait de prouesse puis de gens athlétiques. Un de nos combats préférés, c'est vous qui avez affronté Salvatore Bellomo à la WWF. Considérez-vous que M. Bellomo, comme un lutteur avec lequel vous aviez de la facilité à travailler, si oui, y a-t-il d'autres lutteurs avec lesquels vous avez aimé travailler? Mais Salvatore Bellomo, c'est parce que je l'ai connu en Allemagne. OK. Fait que quand je suis arrivé pour la World Wrestling, j'allais faire une job. Ouais. Mais Salvatore me dit on est capable de faire une job, puis être. Parce que lui, il savait qu'il était pour me rencontrer peut-être ailleurs. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, qu'à mon époque, c'était de même. Si tu me fais mal ici, attends, mec, tu viennes dans mon territoire, je vais m'en souvenir. C'est ça. Puis si tu regardes cette vidéo-là, il est bien plus petit que moi. Ben oui. Moi, quand même. Mais vous aviez du coffre, là. C'était fou. Là. Mais il fallait qu'il batte quelque chose. Ouais, il m'a battu. Il m'a battu par ruse. Puis le monde a apprécié. Puis même à cette époque-là, j'ai lutté contre Don Morocco. Là. Tu sais, le gros. Oui. Avec Magnificent Morocco. Yes. Il y en a un extrait de vidéo là-dessus. Puis ce gars-là, il est venu me donner de l'argent américain. Parce que quand j'ai fait ça un match contre lui, il a adoré ça. Puis ça a l'air drôle, c'est moi qui collais les shots. Ah ouais? Il me donnait un bonus parce qu'il savait que lui avait de la grosse argent, puis moi, ben, j'avais un salaire. Puis l'office de Montréal, mais quand j'allais à New York, coupait mon garantie parce qu'il disait écoute, ça va bien. Je faisais à peu près 3 fois ce que j'étais supposé faire à Montréal. C'est beaucoup plus intéressant, disons-le. Puis je dis déjà pas un mot. Là. Ben oui. Je veux dire, mets ça dans mes poches, puis goodbye. Tu sais. C'est ça. Puis moi, j'ai passé pour un cheap une couple de fois dans ma vie parce que je faisais comprendre aux gars, si tu connais la mentalité de l'époque ou d'aujourd'hui, même encore des gars, c'est que moi, j'ai une famille. Quand je reviens chez nous, il faut que j'amène de l'argent. C'est ça. Tu sais, il y en a qui ça foire. En tout cas, ça paye. Non, moi j'ai toujours. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas, j'ai une ferme. Puis, ben oui. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en arrière de vous. Ah, mais ça, c'est dans mon garage. Vous nous avez parlé de Don Morocco. Quel souvenir gardez-vous de vos expériences à la WWF où vous avez eu l'occasion de combattre, entre autres, contre Don Morocco, Big John Studd, The Wild Samoan, Superstar Billy Graham, puis même à l'époque, Pedro Morales? Jimmy Snuka. Jimmy Snuka. Wow. On en connaît quelques-uns. Oui. Mais c'était une business, hein? Ouais. Puis les gars, ils prenaient soin de toi comme toi, tu prenais soin de eux autres. Ça, c'est cool. Non, mais c'est. Moi, je savais. Quand j'étais là, dans ma tête, j'ai pas fait comme ceux des petites compagnies. Hey! Moi, je me parle une compagnie, c'est moi le champion. Puis je vois tout le monde. Non, c'est ça. Moi, je savais que j'avais une job à faire. Puis quand je produisais, performais, là, une bonne chose, c'est parce qu'il y avait d'autres lutteurs dans le vestiaire qui me voyaient et disaient, hey, lui, on va l'emmener chercher nous. Il peut faire telle ou telle affaire. Puis, c'est pour ça que j'ai travaillé pendant des années. À Calgary, j'ai lutté parce que j'arrivais du Mexique. Puis ils m'ont pris à Calgary. Puis ils m'ont mis quasiment 2 mois contre Dynamite Kid parce que j'étais un des seuls qui était capable de le suivre. Ah, il était rapide, incroyable, intense, puis ça prenait quelqu'un pour le suivre. Mais à cette époque-là, il n'était pas gros. Je ne sais pas s'il pesait 210 livres. Mais il était capable. Ouais. Trouve-moi un gars de même dans une petite office de Montréal, j'en ai pas vu. Il n'y en a pas. C'était des miracles de la vie. Mais il y en a quelques-uns qui, comme ici, FML, ici. Qui est, oui, il n'est pas loin, M. Ouimet. Il y en a 2 gars qui sont là, qui sont bons. Mais, qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Oui, bien sûr. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que dans la nuit du 23 au 24 décembre 1985, Mad Dog Lefebvre, Tarzan Tyler et l'arbitre Adrien Desbois ont perdu la vie dans un accident dans le parc de Laurentides.
Pouvez-vous nous partager quelques détails sur cette malheureuse tragédie? Parce que nous autres, on a déjà fait une émission là-dessus, regardez certaines reliques. J'étais déçu de ne pas avoir participé, mais c'est pas tout le monde qui le savent. Que... Oui. Parce que c'est moi qui est arrivé ces lieux. C'est pour ça qu'on veut en parler. Ouais, vous avez déjà commenté. La police est arrivée un petit peu avant moi. Okay. Mais il y avait déjà deux cadavres de sortie. Puis il en restait un. Quand ils l'ont sorti, parce qu'ils m'ont montré des valises. Puis ce qui est cocasse avec ça, ils m'ont montré les valises des lutteurs. Puis il y en avait une, je regardais, puis c'était la valise de Richard Charlin. OK. Puis je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait là. Mais avec le temps. Parce il avait peut-être oublié son stock. Ouais. Non, il avait donné sa valise à Adrien Desbois parce qu'il trouvait qu'il faisait pitié avec sa vieille valise. Il avait donné. OK. c'est bon. Mais sur le coup, tu sais, tu regardes, puis là, ça m'a fait hésiter. Ou ça aurait pu être Abdullah de Butcher, parce que c'était des gars qui voyageaient souvent avec Abdullah. Mais Abdullah avait un avion à prendre, puis il apprenait de Chicoutimi. Mais moi, je ne savais pas ça. Okay. Mais quand ils l'ont sorti du fossé, Pierre Lefebvre, McDoug, ils ont mis les... comment tu appelles ça? Des cordages après les coups. Puis ils l'ont sorti du trou. Parce qu'il était dans le fossé complètement, en droit du char et tout ça. Mais il mesurait de peut-être 6 pieds 4 quand ils l'ont sorti. Ils l'ont tiré, là. Puis là, je l'ai vu. Il a perdu ses culottes. Il était quasiment tout nu, là. Mais... Ah, il serait mort d'hypothermie s'il ne serait pas mort de... Je pense qu'il était mort sur le coup. Il serait mort d'hypothermie. Il devait faire froid, j'imagine. C'était en hiver, Mais moi, à cette époque-là, je montais les arènes pour la lutte internationale. Je luttais, puis tout ça. Puis quand je suis monté dans... il faisait des entrevues à Montréal. Okay. Il se préparait parce que c'était une tournée. Hein. Après ça, on allait à North Bay, Sudbury, puis toutes ces places-là. Ça se promenait, là. C'était dans le temps des fêtes. C'était... C'est ça. Là, on paquetait partout. Puis moi, à mon temps, j'ai appelé Montréal, puis je leur ai dit, hey, niaisez pas, il y a une tempête de neige, puis tout ça. Ouais. Mais on s'est moqué de moi, mais ils sont rendus pareil là-bas. Puis en redescendant, ce qui est drôle, c'est parce que Tarzan Courville, lui, il avait un gros Cadillac. OK. Un que tu as montré, pour sauver de l'argent, ils ont embarqué dans le char à Adrien Desbois, qui était un Ford Escort. Tu sais, un petit compact. Il était à trois, puis celui qui était en arrière, mais il va dormir. Tu sais. Mais c'est pour te dire, il aurait peut-être descendu avec le Cadillac. Le Cadillac qui serait peut-être encore vivant. Non, mais pour ça. Puis le gaz était à peu près à 20 cents le litre. Ah, c'est ça. Ça pour sauver de l'argent. Quand tu sais, aujourd'hui, tabarnouche, on aurait descendu à patin roulette. On aurait descendu en hammer là, à Vincent Lelitte. Puis cette année, j'étais à Chicoutimi. Puis en revenant, j'ai passé, parce que c'est le point kilométrique. Oui. Mais à cette heure, la route est comme une autoroute, là, deux voies Saint-Barbe, deux voies sur l'autre. Mais à mon époque, c'était on rencontrait. OK. Fait que si la route était arrêtée, comme aller aujourd'hui, il n'y en a ça rien serait eu. Pas arrivé. Ah. Parce que c'est un camion en cisterne qui montait. OK. Puis, tu sais, il y a des tuyaux en dessous. Là. Oui. Le char a perdu le contrôle, il est passé en dessous, en arrière. Puis là, vu que c'est un Ford Escort, il était petit, mais pas encore assez petit. Puis là, toute la gang... Je ne veux pas rentrer dedans. Ce qui est décevant de ça, c'est que la promotion de lutte voulait faire une bonne affaire. Ils ont exposé les trois quarts dans le même salon. OK. Puis les wrestling fans venaient à la lutte, puis écoute, les parents, les enfants, les petits-enfants, puis ils rentraient. Ah, toi, t'es un tabarnak, je suis bien content, t'es mort. Ils ont fait une exposition juste un soir. Puis toutes les familles ont décidé d'aller chacun dans leur... C'est dommage que... C'est drôle, loin. Ils voulaient faire ça pour plaisir au public. Puis le public rentrait et disait, ah,
Lefebvre ou le Tarzan. Je suis bien content, vieux pourri. Imagine-toi quand t'es le mari, l'enfant. Ça marche pas. Faut détacher cette partie-là. C'était une drôle de période à cette époque. La partie personnelle et la partie spectacle ferait la différence. Ouais. Là, c'est, mais à l'époque, c'était pas autant ouvert. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui est comment? Nous autres, on a 24, 25. Le 26, on avait un show à North Bay, en Ontario. Oui, OK. Puis moi, ben, j'ai fait mon party de Noël. Puis le lendemain, de, ben, le 25, j'ai reçu un paquet d'appels, la femme à Adrien, puis tout ça, sa belle-mère, ouais, c'était vrai. Là, j'ai dit oui. J'ai même un enregistrement radio ici avec Claude Poirier qui m'avait interviewé. OK. Wow. Ouais, pour cette époque-là. Puis le lendemain, on partait pour North Bay. Puis il y a eu une grosse tempête de neige en montant. Je me disais, tabarnak, ils veulent nous tuer, les calices. Mais ça n'a pas rapport, parce que ce n'est pas accompagné de l'autre. Ouais, c'est sûr. Puis à North Bay, Abdullah de Boucha, il est revenu. Parce qu'il était parti chez eux en avion, puis il était revenu. Puis dans le vestiaire, c'était pas le party. Hey, j'imagine. Vous auriez aimé mieux avoir un coup de batte en pleine face qu'à cette histoire-là. Des petits pincements. On a fait ça à Sudbury puis à d'autres places. Ils ont remplacé par des jobbers qu'on parle. Là. Yes. Puis c'était plein pareil. À la fin de votre carrière, M. Laurent, vous avez été confronté aux célèbres lutteurs japonais, les Headhunters. Est-ce que c'est... Ouais, les deux gros qui ressemblaient à Abdullah. Ouais, ben c'était pas... c'était des lutteurs, il y avait une gimmick, puis c'était à peu près tout. En fait, c'était pas si terrible que ça, non? Non, c'était pas... puis moi, ils m'ont mis contre eux autres, j'imagine à cause de mon expérience, puis tout ça. Ouais. Mais c'était pas fameux, parce que c'était le père et le fils. OK. Mais c'était des jumeaux. Je pensais que c'était des jumeaux. Non, c'était le père et le fils. Puis, moi, je te dirais que les lignes de garage, les associations qu'on a aujourd'hui, jouaient plein de lutteurs comme ça. Là, tu sais, qui sont capables d'attacher une botte, mais l'autre botte, il manque un lassage. Je sais pas. Là, tu sais, je comprends la belle notation. J'ai lutté contre eux autres, puis... Il manquait de quelque chose. Ah oui. Je m'ennuyais en maudit parce que c'était moi qui étais quasiment obligé de. En tout cas, c'était pas. Mais ils n'ont pas fait de grand feu, eux autres. Là. Je pense pas qu'ils ont été bien loin. On n'entend plus parler bien loin. Non, il y en a un qui est très malade, ça alors. Avant la conclusion. Ils ont peut-être pris du. Ouais, ils ont pris des grosses chances aussi. L'expérience aussi. Là. Ouais, ben mais oui. On l'espère. Tu sais, c'est comme n'importe qui, il faut que tu commences à quelque part. Si tu ne donnes pas la chance à personne, là. Ah, c'est certain. Faut que tu commences pas Hulk Hogan. Hulk Hogan a commencé, il était green. Ils ont tous commencé de même. Hein? C'est ça. Ah, c'est fou. Avant la conclusion de notre entrevue, M. Lawrence, nous allons vous nommer des noms et en quelques mots, dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs. D'accord. Dis-nous quand vous me dites penser. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire par penser? Parce que... qu'est-ce que ça vous fait penser? L'opinion que vous avez de la personne. Ouais, l'opinion ou le... Okay. D'accord. Dino Bravo. Ben, il s'est acheté une ceinture. Il est devenu promoteur parce qu'aux États-Unis, à l'époque, il était préliminaire. Il faisait les premiers, deuxièmes matchs. Il arrive ici, puis c'est le champion, puis il bat tout le monde. À toi d'en tirer en conclusion. Abdullah de Butcher. Abdullah de Butcher, il vivait sa gamique toute sa vie. Ouais, mais je veux dire, d'une bataille. Un personnage, là. C'était pas un. Ouais. Mais je pourrais te conter une anecdote. Oui, j'avais été chercher à l'aéroport, puis on avait été chercher ma femme, puis il était vraiment Jack Lemmon. À l'époque, j'étais lutteur, là, puis j'avais un gros Thunderbird, là. Tu sais, les gros. Oui. Puis il y a un bac là-dedans. On arrête salut Sainte-Catherine, un restaurant de smoke meat ou je sais pas quoi. Okay. Puis là, je rentre, puis le monde nous regardait. J'ai dit, hostie, on va manger une volée. Parce que comme je t'ai dit, Abdullah de Butcher,
d'une bataille, j'aurais pas mis un vieux dessus. Là, OK, OK. Ah, oh, OK, c'était pas... Non, non, il était pas Bruce Lee, maintenant. Non. En gros terme, c'est une grosse pilote, en tout cas. mais c'est un Jack LeMann. Ah, oh, j'imagine. La même chose. Ouais, mais il me dit à moi, il dit, Louis, il dit, suis-moi, puis il n'y aura pas de problème. Fait qu'il se met à coucher sur le bord, puis il rouvre ses gros yeux, puis il se réveille. Il regarde tout le monde, il me regarde, il regarde le monde. Tabarnak, le monde était après à manger. Oup, ils ont tout dans leur assiette, puis ils nous ont pas chalés. Mais j'avais peur. Ah, j'imagine, ouais, c'est un personnage. Mais il vivait sa gamique 24 heures par jour. C'est fou, là. Le prochain, Raymond Rougeau. Raymond Rougeau, c'est un homme d'affaires. C'est un homme brillant. Lui-ci, comme moi, il a passé pour un cheap. Souvent, on a dit, ah, il est cheap. Aujourd'hui, va t'asseoir à côté de lui et dis-y qu'il est cheap. il peut t'acheter et te revendre à crédit. Il y a un bateau, il y a un avion, oui. Il y a un domaine. Il y a même un bout de temps, il s'est occupé de la World Wrestling, la TV. Ben oui. Il ne devait pas faire ça pour 15 cents. Hein? Non, c'est sûr. Il est très à l'aise, j'imagine. Non, étant maire de Rawdon aussi, en plus, ça doit aider. À comparer à son frère Jacques, là, je mettrais le gros 2 sur Raymond. Okay. Et surtout dans la vraie vie aussi, je mettrais un gros 2 sur... Raymond, c'est un homme d'affaires. Puis, ça n'a jamais été mon meilleur ami, mais... Il m'a toujours rappelé M. Louis, puis oui. J'ai voyagé avec, j'ai jamais eu de trouble. Mais je le voyais qu'il n'était pas la main dans son portefeuille. Mais je veux dire, quand il fallait qu'il paye sa part, il payait sa part, mais il n'est jamais excessif. Jamais je l'ai vu courroyer à Gallipot. Non, c'est un gars plus strict que strict. Super. Le prochain, Vampiro. Ah, Vampiro, quand je l'ai connu, c'était un petit gars. Ian Hoskinson, ton nom? Oui. Ian Hoskinson. Quand je l'ai connu, il vivait dans la rue. Il était parti de chez eux, il n'avait pas une taupe. Puis il voulait apprendre la lutte. Moi, j'ai dit non, je peux pas apprendre la lutte. Puis je l'ai connu en même temps qu'il est à Thunder Bay avec Abdullah the Butcher. Puis Abdullah de Butcher, il dit « Débarrasse-toi-en de ce gars-là. » Pardon. Excusez, j'ai baillé. Il dit que ça vaut pas de la merde. Et tout ça. Puis moi, ben, j'ai dit au petit gars, je dis « Va où est-ce qu'il y a de la lutte internationale, alors, présente-toi une couple d'heures avant, puis je vais t'aider. » Puis à tous les shows que j'allais, il était là. Puis là, je dis « Tabarnouche, il est moyen, je sais pas. » Puis à Montréal, il était là. Fait, je lui ai demandé, je dis, comment tu fais pour vivre? Ben, il dit, je couche dans les abris des autobus. Puis, ben là, j'ai dit, tu peux pas faire ça. Puis j'ai parlé à ma femme, puis on l'a hébergé dans le sol de la maison pendant 3-4 mois. OK. Puis ben, c'est le même que l'histoire, ben, je veux dire, aujourd'hui. C'est particulier quand même, wow. Mais je te dis pas que lui, c'était un strike, là. Parce que il a tout essayé, je pense. Oui, j'imagine, il a la face de l'emploi. Comme il est tatoué partout en plus. Quand je l'ai connu, là, il avait la peau blanche. Là. Il n'y avait rien, là, vierge. Ouais. Là. Puis quand je l'ai revu une couple de fois, là, puis, je l'ai vu ici, puis il était venu à Montréal dans un show. À la IWS. Ah, je sais, mais ouais. Oui, il y a quelques années. Puis quand il m'a vu, là, ses yeux, là, puis tu voyais qu'il était content de me voir. Ah, puis, c'est cool. Mais tu y parles, puis des fois, il a la tête ailleurs. Là, mais c'est pas dommage. Un méchant gars, dans le fond. Non. Parce que moi, il m'a toujours respecté. OK, moi, que tu fasses ce que tu veux, tu aies tué 50 personnes, quand tu me dis Louis, puis tu me serres la main, puis tu me fais pas de trouble... C'est ça. Et puis le dernier, Louis Le Fermier Lawrence. Ah, Louis Le Fermier Lawrence. Je le connais bien, mais des fois, je ne suis pas sûr de lui.
C'est un gars qui a vécu pour... il disait demain... ce que je pourrais dire aux jeunes, t'es. Oui. Louis Laurence pourrait dire aux jeunes, j'ai fait quasiment des sports extrêmes, des culbutes, des si. Puis il me disait, bah, on me dit plus tard, tu vas le regretter. Aujourd'hui, je le regrette. Il y a bien des choses que je n'aurais pas faites. C'est là que vient le proverbe, si jeunesse savait, puis si vieillesse pouvait. Ouais. Mais j'ai été chanceux parce que ma femme, ça fait 44 ans qu'on est ensemble. Félicitations. Si je ne l'aurais pas eu, je serais peut-être comme bien d'autres lutteurs avec rien, puis sur le cul, ça a pas. C'est important. Elle m'a donné 2 enfants, là, j'ai 4 petits-enfants. Ah, puis, c'est le fun. Ouais, non, mais j'étais encore chanceux parce que je connais des petits vieux qui n'ont rien fait dans leur vie et ils sont plus maganés que moi. Tu sais, ça a deux sens, ces affaires-là. Et puis pour conclure, comme à l'habitude, mon partner Benoît, a.k.a. Nostradaben, son surnom, c'est Nostradaben, c'est à propos de Nostradamus. Donc, il essaie de prédire le futur de nos invités. Alors, la parole est à toi, mon ami. Oui, mais tout d'abord, merci beaucoup, M. Laurence, pour votre... excusez pour tantôt quand j'ai accroché le micro, j'étais en train de me barrer. Je me disais, il était intéressé à ma conversation. Pas du tout. Je suis très intéressé, au contraire. Oui, bien, on pourrait dire... Vous avez été impliqué dans... récemment dans la Fédération montérégienne de lutte? Bien, impliqué. Des séminaires, je pense. Non. J'ai fait comprendre que mon temps est fait, mais que je peux lui donner des conseils. Okay. Il doit m'écouter ou il va vous écouter seulement. Mais non. Éric, il est chanceux d'avoir une femme parce que de temps en temps, c'est elle qui le contrôle. Il ne prend pas toujours les informations à bonne place. OK. Parce qu'il y a des idées bien arrêtées sur certaines choses. Okay. Mais il y a un potentiel. Oui. Mais okay. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont encore jeunes. Oui, puis c'est comme n'importe quoi. Il y a du monde qui aime, puis il y a du monde qui les aime pas. Des fois, je les comprends. Parce que moi, je suis comme ça aussi. Il y a des personnes, je leur dis bonjour, mais dans le fond, je ne les aurais pas vus, ça n'aurait rien changé dans ma vie. un beau potentiel, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui... Parce qu'Éric a une idée fixe sur certaines choses. C'est pas moi qui vais le changer. C'est sûr. Ouais, ben c'est ça. Je m'en allais vous prédire que vous alliez le changer. Non, c'est pas vrai. vous avez une ferme présentement. Ouais. Depuis combien d'années vous avez cette ferme-là, cher monsieur? Oh, ça doit faire pas loin d'une trentaine d'années, si c'est pas plus. Il y a eu beaucoup de succès, cette ferme-là. Bon, on va vous prédire d'autres succès futurs dans votre ferme-là. Genre des belles récoltes de carottes, de patates et des navets. du succès Je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Là, mon garage, tu vois, il y a un petit tracteur. Oui, bien sûr. J'ai de la machinerie, mais c'est plus comme avant. J'avais des chevaux et tout ça. Mais c'est là. Hey, j'ai ça, t'es 10 ans. Je ne ferais pas comme ma tante qui disait je suis jeune, je suis pépé, puis elle ne voyait pas l'autre bord de la rue. Là, j'ai ça, t'es 10 ans, puis je l'assume. Mais comme aux États-Unis, là, il y a un monsieur qui est là, Gary. Peut-être parce qu'il était un petit peu de mon âge. Il m'écoute à l'occasion. Il me fait venir. Okay. Super. Puis on a du plaisir. Mais juste la récompense. Parce que moi, là, j'ai ma pension. Là, j'ai travaillé 28 ans à la STM. Oui, c'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu. Oui, le STM, c'est des vieilles uniformes, mais ils nous donnaient tellement de stock que pour travailler dehors. C'est correct, ça sert à ça. Fait que, puis ma femme aussi, elle a une pension. Elle a travaillé au CN. OK. Fait que, le CN, c'est des bonnes conditions. Ben oui, c'est ça. Ouais, ben les deux, on est
On est choyé de la vie, comme on peut dire. Oui, ben oui. Le gouvernement le sait, il nous taxe beaucoup. Ah, ça manque pas, je sais. Ben, merci beaucoup pour votre temps. Hein. Ça fait déjà 45 minutes. Je regarde en bas, puis je vois le nom Benoît. Ma femme s'appelle Sylvie Benoît. Ah! Okay. Ben, vous la saluez de notre part. Ah oui, saluez-la.